Oui, allô? Allô? Oui, bonjour madame, c'est Marie, l'opérateur téléphonique. Oui, bonjour. Bonjour, est-ce que je peux parler avec la personne qui s'occupe des factures internet chez vous, s'il vous plaît? Ah, je crois que cette facture internet, non, ça doit être une erreur, madame. Vous n'avez pas internet chez vous, madame? Non. Ah, vous n'avez pas d'ordinateur? Non. Ben, excusez-moi de vous avoir dérangé alors. Vous êtes du service de... Madame, on est une filiale de... Eh bien, je vous souhaite beaucoup de succès. C'est très gentil parce de que ça doit être un métier stressant. Merci infiniment. Et je vous souhaite beaucoup de chance. Non, moi, je suis une vieille dame et aveugle. C'est très gentil mais de votre Mais dites-moi un peu, est-ce qu'il y a des systèmes qui existent pour les aveugles? Pour la télévision? Non, la pour télévision, Internet je l'écoute, mais je ne peux plus rien voir. Ah, vous faites ça aussi? Vous faites toutes les télécommunications? Oui, le téléphone, l'Internet et la télévision numérique. Moi, j'avais acheté il y a quelques... parce que je voyais encore un peu une nouvelle TV magnifique, mais je ne peux plus rien voir comme image, mais j'écoute comme si c'était une radio. Eh bien, je vous souhaite... malheureusement, moi, je suis en fin de vie, mais je suis encore heureuse de vivre, vous savez. Mais je sais que c'est un métier très stressant pour vous et que vous êtes probablement aussi, j'espère pour vous, pas exploité, mais enfin, c'est très dur. Alors, par amour, je vous laisse pour que vous ayez d'autres... Si je peux avoir une personne comme vous, au moins une fois par mois, je vais être la femme la plus heureuse sur la Terre. Eh bien, mais alors, je vais vous poser une autre question personnelle. Dites-moi. Parce que vous êtes tellement gentille. Est-ce que vous êtes parfois... Est-ce que vous êtes nord-africaine? Exactement. Eh bien, ça ne m'étonne pas, mon enfant. Assalam alaikum. Ah, alaikum salam, Hadja. Ah, ismi Edise, et mais en arabe, c'est comme si on disait Mustafa. Edise, c'est une racine latine qui veut dire l'élu. Hein. C'est un des noms de Dieu, c'est pas à vous que je dois dire ça, oui. Hein, mon enfant. Vous êtes probablement musulmane, mais hein. Justement. Vous êtes musulmane? Oui, c'est ça. Eh bien, mais moi, je vais encore prendre 10 secondes de votre temps, ça va vous faire plaisir. Oh là là. Je suis une dame de 76 ans, bien blanche, bien belge, et pas musulmane, mais j'ai, à 52 ans, j'ai fait 4 ans d'arabe, fil jamia ULD à Bruxelles. Ah, d'accord, mais vous avez pour apprendre le Fusha. Fusha. Le Fusha. mais je vais vous dire, mon enfant, je ne suis pas musulmane, oui? Mais de tout mon cœur, je vous dis... Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oh là là, ça me va droit au cœur, hein, vous savez. C'est beaucoup pour vous, hein. Eh bien, et si vous permettez, beaucoup. Mon enfant, vous dire que tout le monde n'est pas fanatique, parce que moi, mon mari est décédé, mm-hmm. Et comme j'avais appris l'arabe, je lisais le Coran, je ne peux plus rien lire maintenant. Et ouais. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la sourate al-Baqarah. Oh là là. Vous lisez le Coran? Oui, bien sûr, madame, c'est normal. Eh bien, vous savez, ça m'a beaucoup aidé, mon enfant, parce que je lis la Bible, je lis des choses bouddhistes, je lis le Coran. Mais quand on vous dit, qu'on vous assure que Dieu ne vous fait pas porter plus que vous ne pouvez porter, parce que parfois j'étais désespérée, et ça m'a beaucoup aidé. Vous avez une très belle religion. Seulement, il ne faut pas tomber dans le fanatisme, dans rien, dans rien. Voilà, mon enfant, avec Habibati, avec tout mon amour, Habibati. Vous permettez qu'est-ce que je vous ressonne une autre fois, si vous voulez, si ça oui, va. Oui, mais je vous demande encore 10 secondes, je fais pour tout le peuple du monde, une petite prière qui dure 10 secondes. Ya ilahi, ismuka shifa'i, wa zikruka dawa'i, wa kurbuka raja'i. وحبك منسي ورحمتك طبيبي ومؤيني في الدنيا والآخرة وإنك أنت المعطي العليم الحكيم. Voilà, ça c'est avec amour pour vous, votre famille et vos parents. Merci beaucoup, madame. Ça me donne les larmes aux yeux. Merci voilà. Beaucoup. Voilà, eh bien.